Alors on est au marché portugais et on a trouvé, on a acheté quelque chose d'incroyable. Alors si vous voulez vraiment savoir ce que c'est, restez avec nous. Voilà, on est avec la maman, des mots joués et toute la famille, parce que comme Mélanie vous l'avait présenté en introduction, qu'est-ce qu'on a là? Des mots joués. On a des mots joués, Amantine, c'est exact. Et surtout, qu'est-ce que c'est ça? Un œuf de quoi? Un œuf. Un œuf d'oiseau, effectivement, c'est un œuf d'un très gros oiseau, c'est un œuf d'autruche. Alors là, il pèse combien cet œuf là? Ouais, il pèse très lourd, il a pesé, je sais pas moi, 600 grammes au moins, 800 grammes. Hein. En tout cas, il est très lourd et très dur. Incroyable hein, ce truc. Hein. Voilà, même Fantin tape du poing, ça ne se casse pas. Donc là, qu'est-ce que nous allons faire? Ensemble, nous allons essayer de réaliser le plus gros œuf au plat. Alors pour faire l'œuf au plat, ben déjà, il faut le casser. Donc on va essayer de le casser et de le mettre dans le saladier. Oh là là, ça, on va pouvoir découvrir ensemble. Qui se passe. Alors, ça me fait presque mal au cœur de le casser. Hein, ah oui, bah déjà, il faut qu'on y arrive. J'espère qu'on va casser l'œuf et pas le saladier. Hein, Alors, tu le tiens bien et tu vas casser un petit peu comme ça. Voilà, je t'aide. Vous voyez comme. Voilà, ah, ça y est, on a entendu un crack. On a entendu c'est un crack. C'est pas le saladier. Non, on a entendu un petit crack. Alors, on voit pas de fissure. Non, non, il n'y a pas de fissure, mais on a entendu un crack. Ça veut dire que potentiellement, il se fragilise. Allez, Fantin. Ah ouais, on commence à sentir. Regarde. Ouais. Ok, alors bravo Fantin. Il y a une autruche qui veut sortir. Ah ouais, là on voit belle bien fissure. Là, une belle fissure. Bon, alors je continue. Ça se casse pas comme un œuf de poule. Hein. Casse. Faut y aller avec le marteau là presque. Hein. Casse. Ah dis donc. Oh. Regardez. Ça y est. Alors, regardez l'épaisseur de la coquille. Oh la vache, on dirait un faux, on dirait un truc en plâtre. En plastique, là, on dirait un truc en plâtre. Ah oui? Incroyable. Bon, allez, on va essayer. Alors, est-ce qu'il peut se casser? Bon, on est obligé de continuer là. J'ai pas envie de mettre de coquilles parce que si on met des coquilles dans le faux plat, là, ça va pas le faire. Hein. Hop, alors j'en tire un bout de coquille. Toc, voilà. Alors, je voudrais pas casser le jaune surtout. Ouh. Voilà. Bah, dis donc, ça se. J'ai une poche là, regardez la poche, elle est super résistante. Ah ouais? Oh, ça s'arrache difficilement. Mais je pense que ça va faire. Ah, voilà, on aperçoit le jaune. Oh oh! Et je voudrais éviter que le jaune touche la coquille. Bon. Non, bah, j'ai laissé ça au papa des mots jouets parce que je me suis dit que si c'était moi, l'omelette, elle serait déjà sur mes chaussures. Ah, c'est ça qu'on aurait dû faire à Pâques. Ouais, carrément. Ah, oula, oh. C'est bon, j'ai réussi à pas le casser déjà. Bon, bah alors maintenant, moi je vous dis, je vous donne rendez-vous dans la cuisine, on va faire chauffer la poêle et... Un œuf géantissime. Le truc, c'est qu'on n'a pas une poêle proportionnelle à notre œuf. Normalement, il nous faudrait une poêle au moins deux fois plus grande que celle-ci, tu vois. Ouais, bon, elle est grande quand même. Elle est grande, mais j'ai peur qu'elle soit un peu petite. Une poêle un peu plus grande aurait été mieux, mais bon, on va voir déjà si ça marche. Alors, on fait chauffer la poêle, on a mis un peu d'huile d'olive. Fantin est monté sur son piédestal pour suivre de près toutes les étapes de cuisson. Je ne vais pas en perdre une miette. Et voilà, donc, on attend que la poêle chauffe. Oh bah ça va, c'est du gaz, ça va être chaud très vite. Hein. Ah ouais, ouais. Alors là, on est quand même encore, on vous le remonte là. On va comparer avec l'œuf normal. Alors, toc, l'œuf normal, voilà. Bon. Voilà. Hein, pour ceux qui n'ont jamais vu de. C'est vrai que ça, c'était une bonne idée, on avait. Voilà. Bah, tu vois. On n'a pas fait tout à l'heure, mais voilà. L'huile, je pense qu'elle est assez chaude. Ah oh, bah oui, allez, jeter l'œuf dedans. Je vais baisser même un petit peu pour être sûr de. Voilà, ça gicle pas partout. Attention, opération délicate. Oh là là, alors là, c'est l'opération. Alors là, on est tous dans le stress. Faut pas casser l'œuf. Oh là là. Est-il cassé? Non. Oh là là. Oh le truc. Je pense que ça va mettre au moins une demi-heure à cuire. Tiens, il y a Amantine, viens voir. Amantine. Regarde Amantine. Tiens, attends. Je te montre ma puce. Attention. Hop, regarde, de loin.
Regarde là, on le met dans la poêle. Oh, t'as vu le gros, comment c'est gros, Amandine. Alors bon, voilà, maintenant, je sais pas combien de temps ça va prendre, hein. Et ben, on va le laisser cuire tranquillement. Tadam. Waouh, voilà. Dis donc. Voilà, après au moins 20 minutes de cuisson, hein. Ça dure au moins 20 minutes. Alors, je pense qu'une demi-heure, ouais, peut-être une demi-heure. Bon, en tout cas, peut-être en omelette, ça aurait été plus simple. Ouais. Mais bon, on a voulu tenter quand même le faux plat. Bah oui, alors... parce que nous, on est des gros consommateurs d'œufs, alors on aime bien les œufs. Alors bon, le truc, c'est que oui, si on avait eu la poêle plus grande, vraiment, ça aurait été plus simple à cuire. Là, ça a mis beaucoup de temps parce que l'épaisseur, il y avait ça de blanc. Ça de blanc, l'épaisseur. Donc là, je vais essayer de la démouler, là, de la mettre dans notre plat à service. Dans notre plat alors, géant, parce que là, il fallait au moins ça. Oh là là! En fait, c'est drôle, ça fait comme une tarte à l'œuf au plat. C'est ça. Regarde. Ta-ta-da, les enfants! Oh, on a une tarte à l'œuf au plat! Ta-ta-da. Allez hop, je sers ça sur la table. Amandine, t'as envie de goûter? Ouais. Allez, bon, je vais couper. Tu crois que c'est. Tu crois que c'est bon? Tu crois que c'est bon? Oui. Elle croit que c'est bon. Non, pas. À un moment, il est bien. Et là, quelqu'un est empoisonné. Regarde l'épaisseur du. Oh là là. Attends, voilà, on l'a laissé pas mal cuire. Hein, quand incroyable. Même, hein. Allez, donc je vais. Alors, je sais pas comment couper ce truc. Je vais donner un peu de jaune à chacun. Là, et un peu de blanc. Fais. Bah ouais, parce que là, finalement, c'est pas très. Tiens, ça fait comme une tarte de. Ouais. Bon, je pense qu'en omelette, ça aurait été quand même plus simple. Ouais, je pense aussi, mais. Mais bon, on voulait faire la blague de la faux plat quand même. Ouais. Toc. Allez, bon, je vais goûter aussi. Tu goûtes aussi? Ouais, je vais goûter. Je vais goûter ça. Bon. Toc, le jaune. Ah, le jaune, il est super bon. Hein. Tu as goûté l'œuf d'autruche, Amandine? Qu'est-ce que tu as pensé? C'est chaud, gars. C'est chaud? C'est encore chaud? Mais est-ce que c'est bon? Ça te plaît? Oui? Tu aimes bien? C'est okay, bon? Moi, je trouve que le jaune, en tout cas. Moi, j'ai pas goûté le blanc. Je vais goûter le blanc. Bah, en fait, le blanc, c'est qu'on ne l'a pas laissé assez clair. Ah, il est pas assez cuit. Non, mais c'est pour ça, je pense que... Enfin, parce que la poêle est... Ah, si, il est bon. Il est bon, mais il est pas cuit comme l'œuf au plat. Ah, mais il est super bon. Attends. Bon, en tout cas, le jaune, moi, je trouve ça bien. Alors, moi, je sais pas vous, mais le moi... Verdict, moi, je trouve que c'est très bien. Moi, je le trouve délicieux et franchement, j'ai jamais mangé un œuf aussi bon de ma vie, quoi. Mais je le dis sincèrement, je trouve que c'est... Le jaune, je trouve qu'il est moyen. Mmh. Ben... On a tous donné notre avis. Voilà, je pense qu'on peut conclure. En tout cas, voilà, c'était notre petite expérience hein, de l'œuf d'autruche. J'espère que... Bon, on espère que ça vous a plu. Et moi, j'espère surtout que je vais pas être malade. Hein. Mais oh, non. Mais c'est tout ça parce que c'est nouveau. Ah, Amandine, toi, t'es contente, hein? Parce que pour marcher, ça se trouve qu'elle a de bon... Bon, elle a... depuis 6 mois. Non. Tu vois l'œuf, il est justement alors pour repérer comment savoir si l'œuf il est bon ou mauvais, ben voilà quand vous le cassez, hein, si le jaune reste bien dans son enveloppe et s'il se mélange pas au blanc, c'est que ben, votre œuf il est encore bon normalement. D'accord. Voilà, hein. Bon, bah, c'était le conseil du papa des Mojouets. Ouais, moi en tout cas je me régale. Je trouve ça vraiment super bon. Ok. Ben moi je pense qu'il est temps de vous dire au revoir. Au revoir. Bye. À bientôt, pouce bleu. À bientôt. Partagez. Partagez.